Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième partie de cette vidéo sur le thème du backspin. Je suis au Golf Park d'Ambès, je viens de rejoindre Charlie Miro. Charlie, pour nos auditeurs, peux-tu brièvement nous raconter ton parcours ? Pro PGA depuis 2007. Je suis originaire de Bretagne. Très jolie comme région, golfiquement parlant, il y a énormément de très beaux golfs. Et depuis 2007, j'ai été au golf de Pinsol, entre Moliette et Osgore. Et j'ai enseigné pendant 7 ans là-bas. Et maintenant, me voici ici, sur Bordeaux. C'est l'opportunité qui fait que j'ai pu venir sur la région bordelaise. Une structure tout en synthétique et très originale. Donc, on peut faire des approches levées, approches roulées, sorties de bunker, putting, toujours dans des conditions optimales. Et surtout praticable toute l'année. Et praticable toute l'année. Avec des greens constantes, des vitesses de greens constantes. Vitesse de greens constantes, pas de problème de maladie, de carottage, d'entretien en règle générale. Donc, vraiment exceptionnel au niveau de l'entraînement de petits jeux. Alors Charlie, j'ai conclu ma première partie hier de ma vidéo en parlant de Trackman, de Spinlove, qui sont des paramètres un peu complexes à expliquer. Est-ce que tout d'abord tu pourrais nous parler toi de ton expérience avec le Trackman ? Trackman est une machine révolutionnaire dans le monde du golf. Parlant en tout cas, c'est impressionnant ce que ça nous a appris et qui nous ont quand même permis de comprendre certaines choses. Et certaines, pas vérités, mais de casser des mythes, on va dire. J'ai eu l'occasion de taper des balles sur Trackman pour voir. Et c'est vrai que par rapport au spin, justement, on en parlait, mais il y avait des mythes qu'on nous a donnés étant jeunes en nous expliquant qu'il fallait un angle d'attaque très vertical, ouvrir son stance énormément avec une balle plutôt légèrement à droite. Et donc, on arrivait à donner du spin. On s'est aperçu, moi, en tapant des balles comme ça, que ma balle tournait aux alentours de 3500-4000 tours, ce qui est très très peu au final. Sachant que les joueurs professionnels, d'un haut niveau bien sûr, ils sont à peu près aux alentours de 9000 à 10-11 000 tours minute, ce qui est énorme. Donc moi avec mes 3500 tours, forcément, ma balle quand elle tombait, très peu de backspin, voire pas du tout. Et donc il m'a expliqué, il m'a dit essaye d'avoir un angle d'attaque un peu plus horizontal, une moins verticale. Forcément, sur les premiers coups de golf, ça n'a pas été très concluant. Gratte, top, parce qu'il faut s'y faire, c'est un coup un peu différent. C'est un nouveau geste. Ouais. C'est un nouveau geste, donc c'est vrai qu'au niveau feeling. Mais bon, au bout de 5-6 balles, j'ai commencé à attraper la balle correctement, avoir une bonne sensation de contact et une trajectoire de balle un peu différente aussi. Et là, j'ai regardé le Trackman et il me dit, bah voilà, tu arrives à 7000-8000 tours minute. Donc j'avais augmenté pratiquement de 5000 tours minute l'effet de ma balle juste en changeant d'angle d'attaque, ce qui était incroyable. Très bien. Et donc ce qui fait que bah, à l'arrivée mes balles s'arrêtent plus vite, voire même elles reculent. Ok. Alors Charlie, pour enchaîner, je te propose de nous montrer très concrètement les deux types de swing que l'on vient d'évoquer. Le swing ancienne génération, on pourrait dire, balle pied droit, etc. Et puis ce swing un petit peu nouveau qui permet de générer plus de backspin. Et on conclura chacun de ces deux types de swing finalement avec leurs avantages et inconvénients respectifs. Ça te va ? Pas de souci. Allez, c'est parti. Allons-y. À toi de jouer. Donc pour le premier swing qu'on avait vu précédemment, donc ça va être un swing beaucoup plus vertical. Comme on nous avait appris, on ouvre le stance, on met la balle un peu en arrière du stance. En position avec un swing plutôt vertical. Au poids du corps à gauche, on va arriver dans la balle en tenant les mains devant pour garder, essayer de garder cette phase de club quand même plutôt ouverte. Donc je me mets en position. Donc c'est une balle qui va pas avoir énormément de spin, contrairement à ce qu'on peut penser. Le deuxième swing, là on s'en est rendu compte grâce justement au Trackman, ça va être un swing un tout petit peu plus horizontal. Alors pour ça, on va reprendre un stance un peu moins ouvert, la balle plutôt en avant du stance, le poids du corps à gauche, et on va essayer de garder le club toujours le plus proche de soi dans la montée comme dans la descente. Donc c'est un swing qui va se jouer quand même énormément avec le haut du corps. Position. Et là, nous allons pouvoir générer beaucoup plus d'effets backspin
à la balle. Maintenant, les avantages et les inconvénients de chaque swing. Donc, on ne va pas dire que le premier est un mauvais coup, est un mauvais swing. Non, il peut nous servir sur pas mal de situations pour faire des balles un petit peu plus punchées, des balles qui se retrouvent un peu dans le rough. On appelle ça aussi le coup heurté, où on va essayer d'attraper la balle plus verticalement pour éviter de taper trop d'herbe avant la balle. Et donc ça peut être très utile. Maintenant, si on a vraiment un coup technique où on doit faire arrêter la balle très vite parce qu'il y en a un obstacle devant nous, là, automatiquement, ça va être quand même beaucoup plus facile de faire ce swing. Charlie, merci beaucoup de ce moment passé ensemble. Merci à toi. Pas de quoi. J'espère que vous aurez appris des choses avec cette vidéo thématique sur la notion de backspin, de wedging. Et puis si vous voulez nous contacter bien sûr pour une séance de perfectionnement ici au Golf Park d'Ambès, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour vos clubs ou pour votre swing. Nous sommes bien évidemment à votre entière disposition. À très bientôt sur 33 Golf Lab. On fera une vidéo prochainement. Il n'y a aucun problème.